Servus. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Weisswurst, une spécialité bavaroise. La saucisse blanche munichoise, Münchner Weisswurst, est la spécialité culinaire la plus connue de la capitale bavaroise. Elle aurait été créée un 22 février 1857 dans l'auberge Zum Ewigenlicht, située sur la Marienplatz, par Joseph Moser, dit Sepp Moser, un cuisinier de Munich. Confronté à une situation difficile, la pénurie de boigneaux de mouton qu'il utilisait pour ses saucisses de veau à griller et à l'impatience de sa clientèle, il décida de fourrer de la chair hachée de veau dans ses boyaux de porc, puis, au lieu de laisser passer sur le grill, il les mit le tout à cuire dans l'eau chaude afin d'éviter tout éclatement. Ses clients plébiscitèrent ce nouveau mets. Sa recette s'imposa et fut reprise dans toutes les auberges et tavernes bavaroises. Elle est traditionnellement composée de viande de veau, la viande de porc est cependant très couramment utilisée seule ou mélangée, et de dos de porc, le lard, auxquels sont ajoutées des écorces de citron, du persil et des oignons émincés. Ce hachis est relevé de massie, de gingembre et de cardamome avant d'être entonné dans du boyau de porc. Outre la viande de veau et le lard de cochon, les ingrédients les plus importants sont le zeste de citron et le persil. Sur cette bave peut être aussi intégré des pieds de veau, de la couenne ou d'autres épices, comme les clous de girofle, la noix de muscade ou du poivre moulu.